Marié au premier regard, débriefing carolingien, c'est parti. Alors, je sais pas si ça vous l'a fait, mais moi, dans cet épisode, le fait qu'il y ait de nouveaux couples, ça m'a un petit peu fatiguée. Il y en a trop, non, cette année? Non, mais je veux dire, j'ai rien contre eux, mais tu t'es habitué au couple, tu as créé des liens, tu as créé des sentiments à leur égard, t'as des attentes, t'es plein d'espoir, et paf! On te colle de nouveau dans les pattes, merde! Surtout que M6, vous nous avez maintenu en haleine avec le couple de Coquinard, Alicia et Bruno. Moi, je voulais pas voir de nouveaux couples, je voulais savoir. Est-ce que Olympe, je me fais toujours pas ce prénom de chat. La chatte fugueuse a été retrouvée. Moi, j'ai passé une semaine de merde. Je voulais savoir. Est-ce que Bruno allait tout perdre pour un besoin impérieux d'aération? Cela dit, je vous avoue que j'ai vu le truc arriver. Quand j'ai vu Alicia qui était soi-disant à deux doigts de pleurer, mais qui marchait quand même pépouze la ventouse, tranquillou bilou à la Corse, je me suis dit, est-ce qu'elle est vraiment inquiète à ce point? Alors, ok, elle est descendue en rappel du rez-de-chaussée au rez-de-chaussée, mais je me suis dit, à tous les coups, cette couille, la chatte, hein, pas Alicia, attends. Elle est encore dans l'appart. Bon, et Dieu soit loué, elle y était! On était à ça de niquer le couple parfait! Et enfin, tout allait remieux. C'est français, ça? Mais c'était sans compter sur la petite sœur, Karine, qui, selon Estelle, ne fait pas les choses par méchanceté. J'ai doute, là, Estelle. J'ai pas envie de te faire peur, Alicia, mais... Mensonge! Bien sûr que tu veux lui faire peur à ta belle-sœur, Carinette. Je vois clair dans ton jeu. Tu veux balancer sur ton frère pour faire peur à Alicia, mais oui! Moi, je t'ai entendu au mariage, balancer en pleurant. Il n'est plus rien qu'à moi! Ça, c'est chelou, Garine. C'est ton frère. Non, mais je le connais, hein. Il monte vite et il redescend tout aussi vite. Hein. Titre! Comment tu sais ça, Karine? C'est chelou! Non, mais j'avais besoin de lui dire. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Méchante. Elle a un air tout satisfait, toute contente d'elle, là. Cela dit, Alicia, attention. Parce que moi aussi, je redescendrais très vite si tu me remplissais l'appart de ballons et de cœurs collés à la cuisine. Le mec, il rentre de sa journée, il est crevé. Oh, c'est mignon. Mais il est dégoûté, le Brunao. Ok, ma puce, t'as gonflé des ballons, mais concrètement, on bouffe quoi? J'ai pas compris. Normalement, quand t'as une décoration comme ça, généralement t'as le repas romantique qui va avec. Là, elle lui file un verre d'eau. Alors que le mec, il lui pond des brunchs. Merde! Ah, Émilie et Fredo. Ça pue l'amour. Ils s'endorment en se tenant la main. Ça se chahute le bon côté du lit. Ça promet d'être Tony Micheli. Les jeunes, vous avez pas compris la référence. Tandis que nous, les... Oh. Alors, ok, ça se fait des smacks chelous. Ça m'a rappelé mes parents qui s'embrassent. Mais comme dirait Fredo, il y a de l'huile, ça glisse, ça commence à titiller dans ma tête. Et pas que dans la tête, mon Fredo! Tape là, tape là, Fredo, et se caresser tranquillou pendant le massage. Enfin, moi je sais pas vous, mais ma femme, quand on fait un massage en duo, on est chacune de notre côté avec dans notre string jetable et on ronque. Mais encore une fois, M6 ils sont très forts. Tandis que tout glisse parfaitement bien entre ces deux tourtereaux. Une violente dispute éclata. Alors, d'après ce qu'on sait, Fred a dansé, mais il lui a fait du mal? Non, il a dansé. Ah, et elle lui aurait dit sur un ton un peu sec, mais t'es tout le temps comme ça? Ah, et du coup, il lui a fait du mal? Non, il s'est juste vexé. Ouh! Ah putain, on était encore à ça d'un couple parfait, mais tout est remis en question, merde! Ah, et Geoffrey, Cindy, coup de foudre à Gibraltar. Il se kiffe. Le mec a de super longs cils. Tout le monde était, même la maman de Geoffrey manque de nous faire un AVC. Et les deux là, ils char people. Le maire débarque, ils sont encore en train de se tailler la bavette. On est d'accord que ce maire est beaucoup trop rouge. Tu m'étonnes, à force de se taper des mariages en plein cagnard. Frounissez la crème, M6, merde! Tout le monde est gentil, même le beau-père, il est chouqué. Oh, Régis. Geoffrey comprend pas. Et allez, je suis tombée sur le beau-père qui fait peur. Non. Crois-moi, t'as pas vu le père des Billy. Il fait trop peur. Et pendant la séance photo, ils se bécotent, ils sont beaux. Même le photographe, il sait plus où se mettre. Alors, la langue pour les photos, c'est peut-être pas nécessaire. Ok, ça m'excite. Et là, bam! De nouveau un suspense. Qu'est-ce qu'il y a? Encore une sœur relou? Non, il faut être validé par les copains. Ah, si t'es pas validé par les copains, t'es pas bien. Du coup, quatre mecs la prennent à part pour lui parler. Si t'es pas à la hauteur, on va te noyer. Et oui, parce que c'est des nageurs. Vous aviez compris le... Oh, et merde.